Il est 9h30, mon ange. Il arrive à quelle heure, ton premier patient? Il y a 5 minutes. Allez, dégustation! À 13h, là, le mec, il te masse, regarde. Il arrive, souris, souris. Ouais. Non, souris pas, souris pas. Parce qu'Antoine croit encore que tu vas au yoga prénatal? Ah oui, au rythme où je suis censée y aller, le Dalai Lama peut aller se rhabiller. Hein. T'es meilleure pote avec mon frère Antoine, il n'y aura pas de troisième fois. La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Hein. Non, mais attends, t'es sur Instagram, là? Ouais. Ouais, bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Hein. Va directement sur le compte de Gisèle Bündchen. 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi, c'est Jules. Elsa. Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer. Tu vas y aller, ma fille. Je suis bidon. Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique. Le mec m'envoie un message pile au moment où je renonce à la vie. C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver. Enfin, pour la baiser. Non, mais attends. Hey. Le mec, c'est pas un pute-pute, hein. Oh. Ah non, c'est un pute plus, hein. Voir plus. Mais comment t'as pu lui faire ça, quoi? Tu la kiffes un peu. Mais vous êtes trop chelou ce soir. Vous me cachez un truc ou quoi?